N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La garnison à Butembo. Dans une parade spéciale en début de la journée de ce 17 août 2022, le commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu a entretenu les troupes sur la discipline, le mariage civilo-policier, mais également les missions régaliennes de la police. Objectif, obtenir la paix totale dans la ville Butembo, dernier théâtre des affrontements sanglants. Le général Abavan Ang a insisté sur le résultat du travail de maintien de l'ordre public à la satisfaction de la population. Vous savez ce qui s'est passé à Butembo? Je ne suis pas venu comme à l'ordinaire pour une parade comme à l'ordinaire. Vous dites bien parade spéciale. Donc il s'est passé des choses de nature à décourager notre population par rapport à notre prestation. Okay? On a défoncé la prison de Kangwangura. On a tué des policiers de l'autre côté à Gangote. Ce sont des choses qui essaye un peu de décourager la population. La population a trouvé que comme si nous n'avons pas la force qui nous sécurise, qui sécurise nos biens. C'est vrai. Il fallait que je vienne réveiller mes hommes pour leur dire comment ils doivent travailler. Voilà un peu la quintessence de ma portée ici. Comme j'ai insisté sur leur courage. Voilà, si je suis venu pour ça. Les attentes du numéro 1 de la police nationale congolaise au Nord Kivu ne sont pas nombreuses, a-t-il affirmé à la fin du rassemblement. Sans vous, la population, moi, je ne suis rien. Et mon travail sera nul. Ça, je vous l'ai dit. Les principes sont tels que, comme je viens de leur dire, à 80% des informations pour bien veiller sur les personnes et leur bien nous viennent de vous, la population. Nous, en tenu comme ça, c'est à 20% que nous tombons parfois sur des occasions. Mais sinon, c'est vous. Sans qu'il y ait ce mariage, non, nous allons, la police va travailler avec l'aide. Collaboration avec la police, de la sorte, nous allons tous redresser la société, nous allons aller de l'avant, nous allons avoir une vraie sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas seulement la police non plus. Voilà un peu ce que j'attends de la population. La population doit travailler la main dans la main avec nous. Après la parade, c'était au tour des chefs des unités et autres officiers de parfaire le plan de travail aux côtés du commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu afin de répondre aux missions assignées à la police nationale.